On approche de la fin, hein. C'est le bordel. La zone est un peu terrifiante. Et alors, apparemment, je me rapprochais d'un boss. Voilà, voilà. C'est bon, ces ennemis sont assez rigolos, je trouve. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre difficulté et puissance. On n'est pas sur des ennemis insupportables. Les ennemis, ils sont parfaits dans cette zone. Ah! Voilà. Et ça, par contre, le recyclage, ça commence à être très très fort. Hein. Très très fort en recyclage, le jeu. Il s'est béni. Oh! Putain! Mes runes! Bordel, il est fort! Oh là là, mais c'est quoi cette attaque là? T'as abusé ce truc! Mais pourquoi ça le stun pas? Le mec, je lui mets la max! Oh là là, l'enfer! Qu'il vient de faire là. Voilà. Voilà. Meurs. C'est bon quoi. Griffe blasphématoire. Et j'ai toutes ces armures. Ah ouais. Morceau de pierre portant les traces de la rune de mort. Capable de dévier le pouvoir de la lame d'ébène. La nuit du sinistre complot, Rani offrit ses marques au prêteur Ricard en guise de récompense. Si le voile devait un jour être levé sur la trahison imminente, elle servirait d'ultime rempart, permettant à Ricard de se dresser contre Malikette, la lame d'ébène, bête noire de la mort destinée. Punaise ! Alors oui. Oh ! Attends ! C'est Grunlek là ou je sais pas quoi. C'est le gars à qui je donne la morte fleur. On dirait hein. C'était lui le clair bestial non. Waouh. Ah ouais mais vive la mimique. J'ai envie de dire. Ah. Ok ok phase 2. Oh, mort. Sois à nouveau mon glaive. Ah, la lame de mort, ouais, ils en parlaient, là. Ah ouais. Ah, la bagarre. Je sais pas si je vais pouvoir utiliser la lame maudite pendant le combat, là. Va falloir que je compte sur ma mimique pour aggro. Stylé! Ah, il a la classe! Ah ouais, il a la classe! Ouais, mais ça, c'est une lame d'ébène, ça se voit. Elle est noire. Oh, il a la classe. Oh putain, il a la classe. Balèze. Et il me regarde. Hein. Oh. Ok. Ok, c'est bon, il est sur la mimique. Inventaire. Ok. Je sais pas si ça m'a buff, si ça m'a protégé, je sais pas ce que ça a fait. Oh! Ok. Ok, ma mimique est morte.
putain. Oh là 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 là, l'enfer. Alors déjà je prends ça. Ensuite je prends ça. Voilà. Ok. C'est vraiment trop super génial. Putain. Oh. Et je ne vois même pas comment je vais le buter, il est trop fort. Bon, je sais pas si l'objet a été utile ou pas. Je vais essayer de le buter comme ça. Voilà. Bon bah merci la mimique. Je sais pas comment j'étais censé utiliser l'objet. Ouh. Une épée ça. Les flammes rouges, il y a lui qui les avait et il y a Mog qui avait ces espèces de flammes rouges. Je me demande ce que c'est. La rune de la mort est libérée. Ah, oh, c'était la rune de la mort. Mais les flammes brûleront également des épines impénétrables. Ah, de l'arbre qu'on a cramé. On l'a cramé l'arbre. Hein. Ah ouais, il crame complètement. Ah mais tiens, mais dans ta gueule. Bien, je vous dis adieu. C'est notre pote, c'est notre servante. Vous allez enfin devenir seigneur d'Elden. Ça va chier grave. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est moi, ça. Je suis de retour sur la terre ferme. Ah! Je suis au pied de l'arbre! Je suis au pied de l'arbre! Et ça, ça sent le boss un peu, non? Ah ouais. Je savais que vous viendriez. Ah, c'est Gideon! En fait, je vais pas me faire chier. Ah, je sais pas s'il fallait que je le combatte, mais moi, je suis en mode, je vais le défoncer, quoi. Je sais pas si c'était le but. Je trouve ça plus rigolo de le défoncer. Et voilà. Ah! Ah ouais, les dégâts! Là, je connais le laser. Ah, il a tous les sortilèges, hein. Attends, je rêve ou il m'a taunt? Ça, le FDP. Ça va exploser, ça va exploser. Bouge, bouge, bouge. Putain, mais pourquoi pour ma gueule? Il va. Putain, mais il est infernal ce boss, il est infernal. Je suis mort, ça y est. Oh là là. Oh, il est mort, c'est bon. Putain, merci la mimique. Oh là là, merci la mimique, quoi. Bon, pourquoi il m'a cassé les couilles? Pourquoi est-ce qu'il voulait pas que je devienne le seigneur d'Elden, lui? C'était mon pote à la base. Bon, là, de toute façon, on arrive au bout. Donc, il y a un boss, là derrière. Et puis, en théorie, on peut rentrer dans l'arbre. Ah, Morgoth, c'est le mec que j'ai tué! C'était son pote! Aïe! Ah, il va te fâcher, là. Ah, il est vénère, putain! Mais il a un lion sur l'épaule!
Je vais prendre tellement cher. Godfrey! Mais attends, je l'ai tué, lui, non? Il me semble que j'ai tué un Godfrey. Le premier seigneur d'Elden! Ah, mais toi, t'es... c'est le cocu. Il s'est fait remplacer par Radagon. Oui, assez rapidement. Aïe! Non, non. Bon, j'ai pas eu le temps d'invoquer. On va y aller, Weapon Art. Go, go, go. Pendant que la mimique prend l'aggro. Oui. Non. Non. Ah, ça va péter, ça va péter. Il fait des volcans, le mec. Ouais, on va l'avoir, Bientôt phase 2. Et j'imagine qu'il a deux phases. Wouah, mais putain, c'est pas fini, ça a pété. Oh, phase 2. Ah, le lion va prendre la main, je pense. Oh putain, je suis pas à l'aise. Ah ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, toujours l'automutilation des boss là. Ah, systématiquement ils s'automutilent. C'est dégueulasse. Kratos style. Horalu. Ah, mais attends. Néphélilou, c'était sa fille ou quoi? Non, c'était la fille de Gideon. Oh, j'essaie de comprendre le lore. Ouah, c'est bon, je suis mort. One shot. Je vois même pas l'intérêt de me montrer ça. Putain. Il est tellement énervé. Wow. Mais on peut pas le toucher quand il est comme ça! Aïe! Je suis mort. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je suis pas assez bon. Je suis pas assez bon pour ça, moi. Je suis pas assez bon pour me battre contre ça! Ah, mais... Ah, mais ça va jamais le faire, ça! C'est impossible! Ok. Il y a quelque chose là. Non. Oh oui! Mais merci la mimique! Oh là là! Ok, ça part. Admirez, seigneur! Attention, sacré! Cherchez Dieu, carrément! Mort droit devant! J'aime bien les messages. Alors, c'est quoi, ça? Boss final? On est dans l'arbre, là. C'est Marika? C'est le cercle d'Elden! Transpercé de part en part. Ou c'est Radagon? Non, c'est une meuf. Elle est crucifiée, quoi. Alors, mets ta vie que ça va être vénère. Ah ouais, c'est énervé, ouais. La manette vibre. Aïe, aïe, aïe. C'est Radagon. Ah, c'est pas une meuf, c'est juste d'énormes pectoraux. Le type, il va à la salle. Ah. C'est Radagon de l'Ordre d'Or. C'est bien lui. Ok, ça part. Ah, j'ai cru que j'allais esquiver. Aïe. J'ai très mal timé.
Deux fois. Ok. On esquive s'il vous plaît. Arrêtez de faire n'importe quoi, monsieur. J'ai plus d'endurance. Voilà. Attention. Ah. Ok. Voilà, on lui marave sa tête. Oh. Ah ouais. Ça y est, il attaque avec la puissance du cercle d'Elden. Ça va péter, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va pas se finir comme ça. Il n'y a pas eu de deuxième phase. Ça va pas s'arrêter là. Je commence à les connaître. Ah. Ah. Quoi ce truc? Marika? C'est un Pokémon avec une épée! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le chara-design, ils ont pété un câble! Ah ouais, mais l'environnement tellement stylé. Et ma la limite c'est mort là. Ah, c'est la merde. Ok. Essaye de comprendre. J'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est pas évident. Ah mais tout le boss. Ouais, en fait le problème c'est que Radagon et la bête d'Elden, c'est le même boss. Donc pour les invocations, pour les potions et tout, c'est le même boss. Donc si on prend trop cher contre Radagon, on n'a plus rien contre la bête. Et ça, c'est problématique. Parce qu'elle a énormément de vie, là. Waouh, mais c'est le cercle d'Elden, ça. Oh, la classe. Oh, mais merde, mais c'est stylé de ouf. Ah. J'avais pas vu que c'était une attaque. Incroyable. La classe. Dans une galaxie. J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais on voit pas grand chose en fait. Hein. Ah merde, alors ça j'ai rien compris. Ça j'ai pas du tout compris ce que c'était. Je comprends vraiment pas. J'ai rien compris. Je comprends pas. J'ai pas du tout compris l'attaque avec les cercles dans l'eau là. Pas du tout compris.
Ah ouais, c'est mort. Putain, what the fuck? Je vais jamais y arriver, mais c'est abusé. Mais what the fuck? Mais attends, mais c'est le boss, il est plus fort que la première fois, là. J'hallucine. Mais il se TP au moment où j'approche? Et what? Wow! Quoi? Mais what? J'ai esquivé pas mal d'attaques, mais j'en ai pris pas mal. Et là, non, là je suis mort. Attends, le combat vient de commencer. Mais il faut qu'il se détende, le mec, il est complètement dingue! Je veux le faire! Non! Je l'avais! Non, je comprends rien. Je comprends rien quand il se téléporte. Oh! Putain! Ok, ça, ça pique aussi. Et c'est là que je meurs. Putain, je ne comprends pas, on ne voit rien, quoi. Oh. Putain, j'ai jamais vu cette attaque. Je suis mort. Putain, je suis mort. Eh ben, superbe fin. Allez, j'arrête là. Ça m'a suffi. Je viens de changer de gameplay, je viens de changer d'arme, j'étais full cimetière jusque maintenant, j'ai décidé de prendre les katanas, donc c'est voilà, c'est nouveau gameplay pour moi. Us. Vas-y, tap. Oh là là, c'est beau ça. C'est beau là ce que je propose. Ah! J'ai plus de PC. Putain, j'ai plus de PC. Ça y est, c'est foutu. Voilà! 11 potions, la bête! Ça part! Ok. On voit que Bouic. Et j'ai appliqué le gras. Putain de ta mère. C'était Hoche. Ok, là on court. C'est ça? Ouais. Enfin là on meurt plutôt en fait. Wouh! À nouveau, c'était chaud de chez chaud. Ah merde, c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Ça c'est vraiment très chiant de ouf. L'esprit shonen, allez on y va. On y va. Non, je vais mourir ici. Je comprends pas cette attaque. Fonce. Non, la lame imitatrice est morte. C'est terminé pour elle. Allez. 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 Non,
Oh putain. Seigneur. Wow. Putain. Wow. Oh putain, ça fait plaisir. Oh putain, attendez là. Ouf. Oh putain. Deux secondes. Oh, oh putain. Pourquoi mon perso s'est effondré? Ah, il se casse. Ok, j'ai cru qu'il allait revivre. J'allais dire non, non, j'abandonne. Ah, sa mère, putain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, le Ghost Rider! Je me transforme en Sauron. Qui dément là? C'est parce que j'ai été maudit? Les petites moves, ouais, exactement. Les petites moves, putain, j'étais tellement excité que j'ai pris un papier avec mon bonbon. D'accord. Il y a la manette qui vibre. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Mais y'a tout qui crame, j'ai pété l'arbre. J'ai pété l'arbre, j'ai cramé la cité là. Par contre c'est joli hein. Lord of Frenzied Flame. Seigneur de la flamme exaltée, c'est moi. I will seek you as far as you. Je vous trouverai où que vous mène votre errance. On est dans Final Fantasy. To deliver you what is yours. Je vous reviens. On dirait vraiment un perso de Final. J'ai pas reconnu. Je suis censé connaître ce perso. Elle veut me donner la mort. J'ai eu un succès, seigneur de l'âme exaltée. Mais merde, mais c'était qui? Ah, c'est la meuf qui me donne le cheval, d'accord. La servante. Et pourquoi elle était là? Pourquoi? Attends, mais non, le truc qui nous laisse juste avec des questions, là. Ok, elle est contre la flamme exaltée, d'accord. Ok, je suis devenu le méchant, ça, en fait. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel moment dans le jeu je me suis mis du côté de la flamme exaltée? C'est quand je me suis fait toucher par les deux doigts? Ok, ça, quand je me suis fait embrasser par les deux doigts. Et du coup, je suis devenu adepte de la flamme exaltée. Je me suis et j'ai pris un câble, et du coup, je suis devenu Sauron. Je pue, c'est ça. Je pue la mort, d'accord. Moi, ce que je propose, en fait, c'est de regarder les fins sur YouTube. J'ai fait toute la quête de Rani pour voir la fin de Rani. Je vais quand même aller la voir sur YouTube, faut pas déconner. Ok, on a les fins alternatives. Un message par terre, d'accord. C'est Rani! The battle is over, I see. Oui. Mais attends, Rani, on l'a vu dans son enveloppe charnelle à la fin de la quête, non? Parce que là, elle a l'air de nouveau fantomatique. En fait, c'est comme ça que tu peux choisir la fin de Rani, c'est si tu vas sur le message par terre ou pas, quoi. Ah oui, c'est vrai, elle a quatre bras. Et elle est bleue. C'est un peu Shiva, quoi. C'est toujours la poupée. Parce qu'on a donné... On a mis la bague au doigt à quelqu'un. Hein. Rani, elle voulait tout détruire, si je me souviens bien.
I do solemnly swear. Je jure solennellement que chaque être vivant, que chaque âme now cometh the age of the stars. Un voyage de milliers d'années. J'ai pas eu le temps de tout lire. Oh là là, la lune! Ah voilà, on fait la nuit magique et on va aller dans le grand au-delà. Wow, Radan! Oh, il est redevenu humain! Oh putain, beau gosse! Et ça part en Starfield! Elle a, j'avoue, elle est belle, hein, la, la fin, là. Ah, ok! Well then, shall we... Ah, c'est le joueur, pardon, c'est pas Radan, c'est le joueur. Il avait le casque de Radan. Je me suis fait avoir! Ok, donc là, elle est dans la poupée, en fait, parce qu'elle a plus d'enveloppe charnelle. Et ce qu'on voit là, c'est un peu son esprit. Voilà, je pense que c'est le meilleur jeu de l'année, probablement. Mais voilà, demi-teinte. Trop long, je trouve. Surtout que j'ai même pas fait toutes les zones. Hein. J'ai même pas fait toutes les zones. Je l'ai trouvé un peu trop long. Non, c'est vrai, il y a eu beaucoup de recyclage. C'est dommage. Parce qu'en vrai, il pourrait être aussi long. Mais sans recyclage alors.